Paru en 2010 aux éditions de l'Olivier, Le Cœur Régulier est un roman d'Olivier Adam, auteur que tu connais certainement par l'adaptation cinématographique de son premier livre, Je vais bien, ne t'en fais pas. Bien sous tout rapport, de beaux enfants, une jolie maison, un mari qu'on ne peut qu'aimer, Sarah cherche à briser les chaînes qui empoisonnent sa petite vie protégée depuis la mort de son frère. Cette prise de confiance sur elle-même l'amènera à quitter travail et famille pour se rendre dans un petit village au Japon, cet endroit même où son frère aurait trouvé la paix avant de rentrer en France, avant de mourir. Tentant de découvrir la vérité sur son frère, Sarah rencontre Natsume, un ancien flic dont l'existence consiste à empêcher le suicide de personnes venues se jeter de la falaise. Le Cœur Régulier n'est pas le plus populaire des romans d'Olivier Adam. Pourtant, il s'agit certainement de l'œuvre qui résume le mieux le style de l'écrivain. Olivier Adam est l'un des rares écrivains à avoir le courage et la capacité à mettre en scène une femme, non seulement comme personnage principal, mais aussi comme narratrice. Peu de livres ont un personnage féminin suffisamment fort d'esprit et dont l'existence ne se limite pas à son rapport à un protagoniste masculin. Cette façon de s'immerger dans la peau d'une femme est, je trouve, une des qualités essentielles d'Olivier Adam. Et je ne parle pas de la seule et unique scène de sexe du livre qui est selon moi un tour de force impressionnant. Encore une fois, Adam réussit à utiliser sa plume pour mettre en scène le désir féminin qui, contrairement à tant d'autres romans, ne consiste pas à valoriser l'homme. Une autre facette d'Olivier Adam est celle de son statut d'auteur social. Les réflexions politiques et les sujets de société sont abordés en nombre, mais toujours subtils. Enfin, et il ne faut pas l'oublier, ce roman est une œuvre profondément poétique. L'auteur prend plaisir à nous embarquer dans un Japon rural avec cette touche sensible qui caractérise si bien son style. Ce n'est tout de même pas pour rien qu'il apprécie particulièrement des auteurs japonais tels que Dazai Ozamu ou Yoko Ogawa. Ah oui, il y a eu l'adaptation du livre au cinéma tout récemment. N'allez pas le voir. Je vais bien, ne t'en fais pas est le premier livre d'Olivier Adam, celui par lequel il connaîtra son plus grand succès grâce à son adaptation en film. Paradoxalement, c'est celui que l'auteur dénigre le plus, méprisant son propre style d'écriture. Des vents contraires, dont l'histoire raconte un père de famille et ses enfants quittant Paris pour Saint-Malo, fait écho au déménagement de l'auteur pour cette petite ville touristique. Son adaptation cinématographique est plutôt mauvaise. Viennent ensuite Le Cœur Régulier, L'Elysière, qui est au passage le roman le plus autobiographique de l'auteur, Peine perdue et enfin tout récemment, La Renverse. Ses influences principales sont Raymond Carver, Patrick Modiano, Osamu Dazai ou encore Charles Bukowski.